Hamon and Benson. Le journal des stratèges. Alors, c'est la société norvégienne Enrix, E-N-R-X, qui expérimente la recharge dynamique par induction des véhicules électriques sur une portion d'autoroute en Floride aux États-Unis, selon autoplus.fr. Alors, sa solution s'appelle Electric Roadway. Et grâce à cela, il n'est plus nécessaire de s'arrêter pour charger un véhicule électrique. Alors, la compagnie souhaite relever les actuels défis du transport routier longue distance en utilisant l'énergie générée par les ressources énergétiques, notamment éoliennes et solaires, qui seraient situées à proximité. Et ensuite, en l'acheminement sans fil grâce à la technologie de l'induction depuis la chaussée jusqu'au véhicule en mouvement. Alors, il y a déjà eu plusieurs expérimentations de ce type, notamment en Europe, avec en Italie sur l'autoroute A35, en Allemagne, en Belgique, et un autre projet va voir le jour en Allemagne en 2025.